Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième partie de la deuxième foire aux questions, donc qui comporte également 9 questions et qui va durer environ encore une quinzaine à 30 minutes à peu près. Donc accrochez-vous, on y va. Donc première question de Miss Kitties qui demande: comment peigner ses cheveux sans casser les boucles? Quand et combien de fois? Donc tout d'abord, quand on a les cheveux bouclés, c'est évident, ce n'est pas facile. Il vous faut un peigne à dents larges, donc vraiment à dents espacées pour pas justement brosser les boucles, avoir une impression de touffu en fait, pour pas avoir vraiment des cheveux qui paraissent mousseux, touffus, etc. Donc ce que je vous conseille, donc c'est soit le peigne à dents larges ou vos mimines, vos doigts. Donc vous pouvez faire donc ce que je vous conseille, c'est de le faire uniquement donc sur cheveux humides ou qui viennent d'être lavés. Donc prenez le temps de démêler soigneusement vos cheveux lorsqu'ils sont humides, en allant très doucement parce que les cheveux humides sont des cheveux fragiles. Donc vraiment allez-y tout doucement. Ce que je vous conseille également, c'est de l'après-shampoing qui va également faciliter pour enlever les nœuds. Donc faites ça tout d'abord, donc les cheveux humides après le shampoing. Et ce que je vous conseille, bon moi après c'est en fonction de ce que j'ai pu avoir. Moi j'ai eu des permanentes, je n'ai jamais eu les cheveux bouclés naturellement. D'ailleurs, si les filles souhaitent ajouter leur routine pour cheveux bouclés en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas. Donc ce que je vous conseille, c'est d'humidifier vos cheveux, donc de faire un spray avec de l'eau. Après vous y ajoutez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de l'aloe vera pour un effet hydratant, quelques gouttes d'huile pour un effet nourrissant. Donc vous en vaporisez sur la totalité de votre chevelure et vous allez également démêler tout doucement avec vos doigts ou toujours avec un peigne à dents larges. Donc sachez qu'il est fortement déconseillé de brosser ses cheveux. Donc avec une brosse en poil de sanglier, en poil de soie ou bien celle que vous trouvez dans le commerce en plastique. Parce que ça va casser la définition de la boucle, ce qui fait que ça va peut-être provoquer des fourches et de la casse, surtout si vous avez des boucles vraiment très serrées. Si ce sont des boucles très larges, voire des ondulations, déjà ce sera un peu moins difficile de s'en occuper. Mais c'est vrai qu'avec des boucles, c'est déjà un petit peu plus difficile. Donc ce que je vous conseille, c'est toujours de le faire sur cheveux humides, pour éviter donc de vous retrouver avec une méga touffe. Donc voilà pour ça. Donc au niveau de la fréquence, je pense que 1 à 2 fois par jour, c'est pas mal du tout. Sachant que plus vous brossez vos cheveux dans la journée, plus vous les abîmez. Donc essayez de faire un maximum sans les coiffer, les toucher. Donc voilà pour la réponse à cette question. Donc merci pour ta question. Donc vous avez été encore également très nombreuses à m'en poser, donc je suis vraiment très contente d'y répondre. Donc ensuite, j'ai 2 questions de Jessica qui sont: est-il possible d'utiliser son lisseur sans abîmer ses cheveux et à quelle fréquence? Donc ce que je conseille, c'est le lisseur, c'est vraiment une fois par semaine. Je vois pas l'utilité. Essayez de faire en sorte de moins l'utiliser au possible. Si vous pouvez pas une fois par semaine, je pense qu'une fois tous les 3 jours serait pas mal. Évitez de trop le passer parce que le lisseur absorbe l'humidité de vos cheveux et donc les assèche déjà premièrement. Et de deux, c'est que évitez de mettre une trop grosse température parce que la température va finir par cramer vos cheveux, les abîmer et les casser. Donc prenez une température basse, ne l'utilisez pas trop. C'est ce que je vous conseille un maximum et privilégiez donc les soins hydratants. Donc quelle fréquence? Donc vraiment 3 jours à 1 semaine si possible, voire arrêtez si vous le pouvez également. Alors, deuxième question, quelles expériences homemade t'ont déçu? En ce qui concerne mes expériences homemade, donc les produits que je fais à la maison moi-même avec des cires, des huiles, etc. Donc j'ai jamais eu de problème avec les produits que j'ai fait pour les cheveux. Par contre, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un petit souci par rapport à des crèmes que j'ai faites pour mon visage qui, je pense, étaient beaucoup trop grasses. Et donc j'ai eu des éruptions de boutons sur toute cette partie-là. Donc ce qui fait que j'étais vraiment pas top. C'est vrai que bon, il y a un bouton qui apparaissait, j'arrivais à plus ou moins le faire partir. 2 jours après j'en avais un autre, après encore un autre et encore un autre, et en plus des mal placés, genre ici, ici.
Donc c'est pas vraiment top. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai arrêté de mettre des crèmes homemade sur mon visage et je suis repassée aux crèmes Mixa Bio pour le visage. Donc je prends la crème hydratante et nourrissante, peu importe, les deux sont très très bien. Et depuis que je mets celle-là, j'ai nettement moins de boutons et ma peau s'est arrangée. Sinon, pas de déception en vue en ce qui concerne mes cheveux, les shampoings que j'ai pu faire maison, les après-shampoings, les masques, tout a été vraiment nickel et je continuerai à en faire. Après, pour ce qui est crème pour le corps, ça a très très bien passé, mais c'est le visage, je pense que ma peau est un peu sensible, donc je peux pas mettre ce que je veux dessus. Donc voilà en ce qui concerne mes expériences homemade. Ensuite, une question de Natou. Ton avis sur les shampoings Lush et Body Shop? Et peut-on y ajouter des huiles végétales et des huiles essentielles? Donc, je n'ai jamais testé les produits de Lush et de The Body Shop. The Body Shop, déjà de base, ne m'intéressait pas et ne m'intéresse toujours pas. Par contre, j'avais entendu beaucoup parler de la marque Lush. Et c'est vrai que je trouvais ça très intéressant, de fait que c'était utilisé pas avec des fruits, des jus de fruits, des extraits de fruits. Donc, je me suis dit que ça avait l'air d'être pas mal. Et je suis donc allée sur le site, toute contente, très intéressée. Donc je me suis dit, c'est sympa, ça pourrait me changer de mes routines habituelles et passer aux produits Lush. Et quand j'ai vu la composition, j'étais très très déçue. Malgré la bonne volonté d'introduire des jus de fruits, des extraits, etc., on retrouve une base à vente assez agressive et d'autres produits qui sont vraiment pas terribles. Donc, je ne suis pas du tout intéressée par ce genre de produit. Et donc, je n'ai jamais testé au final. Je n'ai jamais commandé sur ces deux boutiques. Donc, par contre, vous pouvez y ajouter des huiles végétales en y allant quand même assez mollo. Vous pouvez rajouter quelques gouttes dans votre shampoing. Donc, dans votre dose de shampoing que vous utilisez pour mettre sur vos cheveux. Ou vous pouvez en rajouter directement dans votre shampoing. Par contre, je déconseille fortement l'utilisation d'huile essentielle dans un shampoing du commerce parce qu'on ne sait pas comment ça peut réagir. Je déconseille pas, mais à utiliser avec grande précaution parce que les huiles essentielles, c'est pas n'importe quoi. Il faut vraiment faire très très attention à son utilisation. Et voilà, je ne le conseille pas forcément parce que déjà le shampoing a une odeur. Et si vous rajoutez par exemple de la lavande par-dessus, ça risque de gâcher l'odeur, voire donner une odeur assez spéciale, voire nauséabonde si vous n'aimez pas la lavande. Donc voilà pour cette réponse. Donc pour les huiles végétales, pas de souci, mais huile essentielle, j'ai vraiment un gros doute. Donc faites vraiment très attention quant à son utilisation. Ensuite, une question donc de Virginie. En période de transition, est-ce qu'on perd plus ses cheveux lors du démêlage? Donc personnellement, ça ne m'est pas arrivé. J'ai perdu des cheveux habituellement, donc quelques-uns par jour, pas plus, sauf pour chute saisonnière d'automne et de printemps. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu des questions venant par rapport à la transition, des filles qui perdaient un peu plus leurs cheveux. Bon, après, c'est vrai que c'est possible, hein, chacun réagit différemment, tout comme nos cheveux. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un complément alimentaire donc, qui peut pallier donc, contre la chute des cheveux. Et de faire vraiment attention quant aux cheveux qui tombent, faire attention qu'il n'y en ait pas trop qui tombent, et de consulter si vraiment il y a un gros souci de ce côté-là. Mais sachez que c'est vraiment possible en période de transition, il faut vraiment pas s'inquiéter parce que ça va durer quelques semaines, voire quelques mois. Donc voilà pour cette question. Ensuite, une question de Margot. Pendant ta première année de pousse, as-tu coupé beaucoup tes cheveux? Oui, effectivement oui, parce que j'avais les cheveux colorés, décolorés, permanentés, lissés, brochés, tout ce que vous voulez. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvée avec des cheveux très très secs, volumineux, tellement ils étaient secs, ils étaient volumineux, je sais même pas comment ça a pu être possible, et très très fourchus. Ce qui fait qu'en un an, j'ai dû couper 10 cm. Et donc, en gros, en un an, j'ai quand même gagné en centimètres, mais vu tout ce que j'ai coupé, bah, il me restait à peu près 4 cm de pouce, pas plus. Donc ce qui fait que j'aurais pu avoir beaucoup plus en partant avec des cheveux sains, mais j'ai voulu attendre, et puis bah, finalement ça s'est pas très bien passé, et j'ai coupé 4 cm par 4 cm, ce qui fait que c'est vraiment pas terrible, question pouce. Donc voilà, faut pas s'inquiéter si vous êtes également dans cette mauvaise passe.
Parce que c'est vrai que quand on commence avec des cheveux en très mauvais état, ben, il faut les remettre en bonne santé, donc ce qui fait que ça peut prendre pas mal de temps. Donc vraiment, n'hésitez pas à couper si c'est très très abîmé et n'attendez pas, parce que ben, si vous attendez, ben, vous allez devoir les couper plusieurs fois, ce qui fait que vous gagnerez pas beaucoup, voire pas en longueur du tout. Ensuite, une question d'Aïcha. Changes-tu de routine chaque saison? Sinon, quand en changes-tu? Ben, en fait, je change en fonction de mon humeur, de ce que j'ai envie de faire. Des fois, je vais être dans une période aînée, des fois une période chikakaï, des fois une période bain d'huile. Ce qui fait ce que ben, ça change assez souvent. Des fois, j'ai pas de routine du tout. Par exemple, là, j'ai fait deux aînés et pendant une semaine et demie, là, j'ai rien fait, par exemple. Et bientôt, je compte me faire un shikakai mélangé à de l'âme, là. Ça dépend. Des fois, je vais me faire une routine, des fois pas. Donc, c'est pas ce qui importe le plus. Ce qui importe le plus, c'est d'écouter ses cheveux. Et quand vous constatez que bah, qu'il y a une sécheresse, que vous les sentez moins bien, moins en forme, faire un petit peu plus de soins que d'habitude. Donc, par contre, si vous constatez que tout se passe bien, comme là, ben, j'ai vraiment pas de soucis. Un shampoing, un après-shampoing suffit jusqu'au prochain soin. Voilà. Ensuite, une question de Roxane. Est-ce que tu comptes tester les aînés et poudres teintoriales de Aîné Indigo et compagnie? Donc, le site c'est HIC Aîné Indigo et compagnie. Oui et non. Oui, parce que ben, c'est vrai que la qualité m'a l'air vraiment pas mal du tout. Quand on regarde la couleur en photo, c'est incroyable les résultats que les filles peuvent avoir. Après, je me rends compte que les poudres que j'utilise actuellement me suffisent pour ben, la couleur que je vais en faire. Donc, ça m'intéresse sans m'intéresser. Je veux dire, peut-être un jour, mais là, je veux dire, par rapport à ce que j'arrive à faire avec mes aînés que j'ai achetés, bah. Pour le moment, j'ai pas trop envie, donc je verrai bien peut-être par la suite, parce que ben j'aimerais bien tenter quand même, mais bon, pour le moment c'est pas trop ça. Mais bon, si on me propose d'en tester ou quoi, j'hésiterai pas, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que actuellement j'utilise des aînés qui me donnent la couleur que je veux, donc pas pour le moment. Mais pourquoi pas, c'est vrai, c'est un très bon site qu'on m'a beaucoup recommandé, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Quand on regarde les résultats en photo, c'est vraiment incroyable. La couleur est clairement différente et on constate bien que le henné est vraiment de bonne qualité et il rend vraiment de super belles couleurs. Donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, une question d'Anne-Laure. Est-ce que tu penses que dépenser dans une taie d'oreiller en satin soit plus utile que de s'attacher les cheveux? Personnellement, je n'ai pas de taie d'oreiller en satin et je n'en achèterai pas. Moi, je pars du principe où quand on attache ses cheveux, on évite un maximum les frottements. Donc, je pense pas qu'il soit vraiment utile d'en acheter une. Après, si vous voulez vraiment en acheter une, pourquoi pas. Si vous avez l'idée en tête et que vous trouvez ça sympa et que vous avez l'impression que ça peut être encore mieux que de s'attacher les cheveux, pourquoi pas. Mais personnellement, j'investirai pas dans une taie d'oreiller en satin. Sachant que ça fait bientôt 4 ans que je dors avec les cheveux soit déliés ou attachés et j'ai pas constaté une plus grande casse qu'à la normale quoi je veux dire donc après moi je pense que éviter la casse ça se fait quotidiennement et pas seulement la nuit donc voilà je reste sceptique pourquoi pas pour les intéressés ouais je vous dis mais personnellement non franchement, moi je pars du principe où il faut les soigner voilà, tout au quotidien et pas seulement la nuit. Donc voilà. Je me répète beaucoup, hein, mais bon, c'est vrai que voilà, j'attache mes cheveux la nuit. Après, le jour, ben, je fais des coiffures protectrices. Je les protège avec de l'huile. De temps en temps, je les hydrate. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire de façon assidue et de façon quotidienne. Donc voilà pour les réponses. Cette fois-ci, je pense avoir été assez rapide. Donc, je compte de nouveau faire une foire aux questions d'ici quelques semaines. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions et de me les poser sur la page. Parce que bah, je ne peux pas trop aller partout et pêcher les questions. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment je vais vous mettre un petit message. Voilà, vos questions pour la prochaine foire aux questions. Et vous pourrez mettre toutes vos questions juste en dessous. Parce que sinon, ça me fait faire aller un peu partout et un peu tout mélanger. Donc, ce serait vraiment sympa que vous veniez sur la page avec moi.
Donc n'oubliez pas, c'est ma pousse de cheveux tout collé, donc sur Facebook, dans la barre de recherche, et donc je serai ravie de vous y accueillir. À très bientôt les filles, j'espère que cette foire aux questions, deuxième partie, vous aura plu. À bientôt!